Salut Lorraine, alors encore une autre vidéo, unboxing numéro 8 entre parenthèses, on va appeler ça. Du coup voilà, j'ai reçu mon raccord de peau, un instant, j'étais en train de tourner la vidéo pour ça, et le livreur est arrivé en même temps. On va commencer par ça parce que je l'ai déjà ouvert. Donc ça c'est pour la charcot du poteau. Je lui avais offert un carbu 21 mm et il m'a dit ouais je veux plus gros, du coup je lui ai vendu le 21 qui était tout neuf. Et je lui ai acheté un 24 à la place. 20 euros, ouais, pareil, hein, le même prix. Hein. J'ai vendu le 9 20 euros et celui-là, je l'ai acheté 20 euros aussi. 20 euros 61. Donc voilà, il y a deux gicleurs. Alors, un de 115, un de 125. Gicleur de ralenti 100, de 49 et l'autre de 41. Avec un manchon. Manchon plastoc. Encore les deux colliers. Et voilà le gros pépère. L'usinage, c'est pas. Voilà le gros pépère. Ouais, c'est pas de la grosse marque, mais c'est Oco PWK quoi. Ça marche plutôt bien, j'ai toujours eu ça. Franchement, rien à dire. Voilà, vis de richesse, le power jet. On voit bien que le power jet il sort pas. Il a ras. Parce que s'il y a le petit gicleur qui dépasse, ça ne marchera pas le power jet. Voilà. Hop. Voilà. Alors ça monte jusqu'à 34 mm ou 36, un dealer comme ça, carbu, à 20 euros. Donc voilà, c'est ça bouge pas, c'est 20 euros. Après, il y a différents prix, différentes marques. Non, voilà, ça c'est PWK Oco, 24 mm. Pour la Sherco. Voilà les rails. Donc ça. Voilà. Tranquillement. Ça va ouater. Sur la petite Sherco. Montée run. Par l'ancien proprio. Que d'ailleurs il regardait vite. Voilà. Tac, tac, tac. Donc voilà. Je l'ai mis à l'envers. Et après moi. Alors. Bon, vous savez ce que c'est. Attendez, je vous pose 2 minutes. Hein. J'arrache vite que ça. Non, voilà les rails. Je l'ai enlevé de la boîte là-dedans. Papier bulle. Chez Altec Racing. Aha. SCR Corse, ma man. Ça, ouais, c'est une Venturi SR Corse Racing Line AM6. Voilà. Oh! Oh, joli! Merci Altec Racing si vous regardez la vidéo pour l'autocollant. Et la petite facture. Voilà. Ça vient de Figueres, le magasin il a Figueres en Espagne et le nom c'est Altec Racing Motor Slu. Donc voilà les rails. Et le livreur c'est TNT Chronopost. Bah là c'était Chronopost qui m'avait livré. Donc je vais faire attention qu'il n'y a pas de chocolat là. Non, ça va. Ouais, voilà. Hein. C'est juste cette merde là, 20 euros. 20 euros cette merde, rail. Voilà. Mais bon, ça aussi, ça vous fait gagner du couple et des chevaux. Parce que si ça, vous avez bidouillé un peu à l'arrache pour l'adapter sur votre peau, vous risquerez pas d'avoir des. Non, il y va pas, cause. Mais non, il y va pas. Mais non! Pourtant, c'est SR Corse, pourquoi ça rentre pas? Regardez. C'est SR Corse pourtant. Bon bah ok. Oh putain, mais non, ça me fait chier. Putain, je crois que c'était plus gros, je crois que c'était bon ça. Pour SR Corse, franchement. Putain, et puis ça 20 euros pour rien quoi. Là, si je le lime, il va être sur 1 mm, même pas le truc. Faut que je le lime.
Peut-être que si je le lis, mais après il y a de l'épaisseur, hein. Oh putain, ça me fait chier ça. Prévu de merde. Putain, mais pourquoi ils m'ont... C'est quoi ce délire là? Fiché, ça va pas. Bon, ben, est-ce que je vais faire les rails? Les rails, vu que ça passe pas, ben, je vais travailler tout le tour. Je vais faire fin. Et puis voilà, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Après, il y a une bonne épaisseur, donc. Une bonne épaisseur, je pourrais quoi faire? Et ça, normalement, ça va dans l'échappement, ça. Dans le cylindre. Ben, j'espère qu'il y va, quoi. Bon, ben, les rails, voilà. Déception pour le truc, je suis dégoûté. Donc voilà, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Allez, ciao l'équipe.